Bonjour à tous les racailles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre épisode sur Dark Souls. Et je tiens à vous le dire déjà maintenant, tout de suite, mesdames et messieurs. Je pense que ça va être le tout dernier épisode que je ferai, en tout cas sur cette chaîne, voilà. Enfin non, pas sur cette chaîne, c'est le dernier épisode de Dark Souls que je ferai. Car après, je sais pas. Après, voilà quoi, hein, c'est tout le temps la même chose. Voilà, hein, et puis écoutez, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, les refs, on va se faire... Le boss Sif, je crois. Un loup, bref. C'est un loup avec une épée. Il me semble. Je ne suis pas sûr. Et puis, écoutez, voilà. Je l'ai toujours pas testé. Là, je vous avoue que là, ça va être une première. Alors, de souvenir, on m'a... Je crois qu'il faut aller juste en face, non? Ouais, c'est ça. J'espère juste que je vais pas tomber sur trop de racailles. Parce que en vrai j'ai pas visité ici, je sais pas s'il y a des trucs. Enfin si, j'ai tabassé les deux gros géants là-bas pour prendre le coffre. Est-ce que je peux y aller là? Ah ouais, non. Ah si, je peux. Ah ouais, non, il faut aller par là-bas. Du tout? Ah wesh. Il faut aller passer par où? Ah ouais, par là-bas. Ok, bon, on va passer par là. Attendez, on va faire les choses bien, il faut pas déconner. Hop. Et normalement, je crois que là, il va y avoir une dinguerie. Hop. J'aime pas trop ces trous là. Ne dis pas qu'on va essayer de me baiser. Alors, je vais tester avec cette armure, peut-être que je vais le regretter amèrement. On va l'ouvrir. Waouh. C'est fort stylé. Je dois vous l'admettre. On aime bien. Oula. Ah oui, il y a tant de guerriers qui ont tenté. Ouais. Quelle belle épée. Quelle belle bête. Enfin, belle bête, sacrément salope, hein. Quelle beauté. Allez, c'est quand tu veux, mon gars. Ah ouais. Ça va être compliqué de se le marave. Hein. Ah ouais! Attends, dis quoi, mon petit loup là? Ah, le truc, c'est que là, je suis pas bien. On va éviter de se rapprocher. On va récupérer tout notre inventaire. Enfin, notre inventaire. Ah ouais, l'enfoiré! Il met des sacrées patates, hein. Il met des sacrées tatanes, l'enfoiré, hein. C'est pas si mignon, quand même. Ah, là, je vous avoue que là, je pense que je vais prendre extrêmement cher. Ah non, ça va, ça va. Allez, recule donc, sale bête. Je vous l'ai dit, les gars, la technique dans ce jeu, c'est vous foncez dans le tas. Voilà. Vous restez sur lui. Aïe. Ouh là 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 là. Là, j'ai déconné fort, là. Je vais mourir. Non, ça va. Heureusement que j'ai pu tanker son coup, là. Allez, viens donc. Mais attends, je viens de voir, mais son épée, elle est illuminée. C'est trop carré. C'est beaucoup trop stylé. Non, je vais reculer un peu là. Voilà, que je récupère juste mon. Allez, ramène-toi donc. Et voilà. Les gars, first try, siffle le loup. Ça me. Je vous avoue que ça me rend tellement triste de devoir tuer cette pauvre bête. Ouah, 40 000 d'or!
Bam! Ouais, ça c'est carré ça. Bon, en vrai, c'est qu'un niveau quoi. Mais je vous avoue que c'est triste. Anneau de frelon. Hein, c'est quoi l'anneau de frelon vite fait là qu'on regarde? Parce que j'ai vu dans le dernier épisode que chaque item avait son lore. Ça m'a choqué d'apprendre ça. C'est quoi? C'est un mec qui a tenté. Attendez. L'un des anneaux spéciaux remis aux quatre chevaliers de Owen. L'anneau du loup appartient à un marchabis. Ah! Ah, mais putain, mais. Attends, mais pourquoi ils sont pas sur eux alors? L'un des anneaux spéciaux remis par les quatre chevaliers de main. L'anneau du main appartient à l'archer tueur de dragons. Il augmente. Ok. Ah! Non, c'est. Remis à Gwen, l'anneau du main appartenait à un machin, l'âme du main. Ouais. Ok, bon, bah c'est triste. Bon, en vrai, c'est vraiment triste quoi, parce que. Je sais pas si c'était un boss qui est censé être compliqué, mais je l'ai first try, quoi. Bon. On va pas mal parler non plus, mais bon. J'ai connu des boss un peu plus compliqués, quoi. Ah ouais. Attends, et du coup, ça dit quoi sur le truc? Âme de Ziv, le grand gardien de la tombe d'Artoria, le marche-abîme. Les êtres d'exception sont dotés. Celle de Sif, héritier de la lame chevaleresque. Vous permettra. Ah! Oh! Mais attends, mais ça veut dire qu'en fait, ça doit être la tombe de son maître. Et puis, du coup. Oh, c'est tellement triste. Je vous avoue que ça me fait du mal de l'avoir tué. Ouais, putain, j'ai cru que c'était quelque chose. Ça me fait du mal de l'avoir tué, cette pauvre bête. Bon, bah voilà, dans tous les cas, les refs, c'était un épisode extrêmement court. Mais bon, on a first try aussi, Floulou. Voilà, non, mais bon, écoutez, bon. Voilà quoi, on est plutôt bon hein. Sur ce les BG, je vous remercie. Hop, regardez, hop, vous voyez, en plus c'est tout ça. C'est terrible. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. Et c'était le dernier, voilà, je tiens à dire, je ne referai pas d'autres épisodes après celui-là. C'était le tout dernier. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner pour mon skill. Et moi les BG, je vous dis, ciao bye.